Audio 3, 2, 1. Maintenant, donc, on fera un petit essai. Je la garde sous la main. Caméra 2. Caméra 3. OK pour une synchro. 1, 2, 3. Voilà. Ça, je le garde ici. Bon. Un petit classique. Bonjour, monsieur Jean-Luc. Bonjour, monsieur Pascal. Ça va? Ça va et toi? Nickel. C'est parti pour un tour. Oui. Alors, ça on l'a fait tout à l'heure, on en est bon. Tu vois, il va être 14h59 à la mise en route. Le moteur est chaud. Alors. Diffuseur, batterie. Sur on, clac, clac, ça c'est bien. Transfert carburant, il est poussé. L'avionique master et off, disjoncteur, ils sont bons. L'autonomie, donc là, ben, on a ce qu'il faut. Hein. Les alarmes, l'anticol, il est sur on. Verrière tirée, non verrouillée. Ceinture non attachée. Alors, on a la mixture, on a la pompe, on a la batterie. Les pieds sur les freins, bien sur les freins. Une injection, deux injections. Ah, tu vois. Allez, on le laisse refroidir 10 secondes. Il pousse et ça va Eh ben, cela devait bien arriver un jour. Voilà, un vol avec une absence totale d'audio de bord pour ne pas perdre les images entre guillemets. Je vais quand même faire un montage assez classique. Je mettrai quelques commentaires ici ou là, on verra bien ce que ça donne. Plus que jamais, il est donc important de regarder le descriptif de la vidéo sur la timeline tel qu'il se déroule. Je vais marquer tous les points notables. Comme d'habitude, peut-être même essayer d'être un peu plus précis. À ce moment-là, on verra comment mettre en valeur ces passages. On devait voler ce matin, la météo n'était pas terrible, comme un pilote s'est désisté sur la partie après-midi, en gros de 13h à 17h, j'en ai profité pour prendre son créneau, et c'était une bonne idée parce que finalement le ciel s'est bien dégagé, on va avoir droit à quelque chose de tout à fait intéressant et de bien agréable. Briefing décollage. Donc on s'aligne sur l'A26, on décolle, on cherche le passage sur le H en 1400 pieds, 1500 pieds pour une sortie par écho, vitesse de rotation 54, montée initiale 70, montée normale 80 nœuds. Briefing sécurité. En cas de quoi que ce soit avant la rotation, on freine, on sort, on prévient. En cas de panne mineure après la rotation, on revient, on fait un circuit, on se pose en 26 dur, panne au contrôle. En cas de panne majeure après la rotation, on fait un atterrissage d'urgence secteur avant, vitesse de planée 73 nœuds et un médé dans toute la mesure du possible. Un bon vent de face, plus de 10 ou 15 nœuds. Novembre-Lima prend rapidement de la vitesse, dépasse allègrement les 70 et monte rapidement à 80 nœuds. J'en profite donc pour tirer sur le manche et noter qu'on a un bon angle de montée subitement. Après être passé au-dessus du repère, et comme j'ai un vent qui vient maintenant de gauche d'au moins une quinzaine de nœuds, je cherche la trentaine de degrés pour faire un virage assez rapidement et me retrouver donc sur le circuit en vent arrière. plutôt que de chercher la fréquence de Coulommiers sur mon log, qui était noté bien entendu, de la recherche dans la fonctionnalité des terrains les plus proches. On a pas mal d'informations, plein des paramètres et justement la fréquence. Décidément, c'était le vol avec toutes les bêtises possibles en termes audio et vidéo. Rater le démarrage en ne faisant pas comme d'habitude, oublier de tourner la GoPro de droite vers l'extérieur avant le décollage et simplement oublier de lancer la GoPro de gauche au moment du décollage comme prévu. Bon, cela étant dit, pour cette dernière là, celle qui est à ma gauche et que je vais tourner, c'est pas très grave parce que finalement, comme elle a une durée limitée d'une 1h30 environ, si on loupe le décollage et qu'on a un vol qui est pas trop long, ça permet d'avoir l'essentiel du vol. Transit au sud de Crécy-la-Chapelle. Golf qui est la sortie ouest de Coulommiers, donc on le passe, on va pouvoir grimper un petit peu, faut faire attention à la classe A qui est vraiment pas loin, et en plus de ça, Jean-Luc voit un appareil qui est dans le circuit de piste. En fait, c'est Nicolas à bord de Romo Delta qui a quitté Lognes un peu avant nous. n'arrive pas à déterminer où se trouve le terrain de Château-Thierry, piste en plus en herbe, donc pas facile à voir, et tout d'un coup je me rappelle qu'il y a là à la fois l'autoroute et la voie de chemin de fer. En regardant sur la carte, on s'aperçoit que le terrain est vraiment entre les deux, et donc ça donne une bonne idée de où il faut regarder avec cette comparaison entre le terrain et la carte que j'ai sous les yeux en fait. Sur cette branche entre Château-Thierry et Soissons, en ligne droite, il s'agit de trouver un petit hameau du nom de Blanzy. On y est passé déjà 2 ou 3 fois et c'est un exercice intéressant puisqu'il s'agit de repérer vraiment un village qui n'est pas très grand, en plein milieu de la campagne, avec une navigation d'environ dizaines de nautiques. Donc le but du jeu, c'est d'arriver avec très peu d'éléments sur la carte, de trouver ce hameau en fait. C'est une sorte d'exercice également qui peut donner un peu d'intérêt ou de piment sur les navigations où il n'y a pas forcément grand chose pendant de longues distances, de trouver des points de repère. ce hameau, il y a vraiment peu d'éléments. Le seul à peu près intéressant que j'ai pu trouver sur la carte, c'est la proximité juste sur l'ouest, à 1 ou 2 kilomètres, d'un groupe d'éoliennes. Quand on regarde l'intersection qu'il y a entre la route de Château-Thierry à Soissons, avec un flanquement sur le Vord de Châtillon, on voit que finalement l'intersection des deux donne la proximité de ce groupe d'éoliennes, avec un indice au préalable qui est le petit village de Saint-Rémy qui est juste avant. Donc ayant repéré les éoliennes à un moment donné, je me disais que le village devait être dans le secteur. Dès lors que je vois un patelin avant ce que je recherche, je me dis que ça doit être bon. Ensuite, Jean-Luc ayant également le GPS sur lui, on peut avoir une confirmation directe à ce moment-là. On analyse après le vol, on peut voir la trajectoire qui est très précise et qui passe exactement au-dessus de Blanzy. Beauvais Info signale une activité para sur Soissons. Ça c'est pas un problème puisque de toute façon on a prévu de contourner la ville par l'est puis par le nord. Je pensais avoir bien réglé la caméra de tête, mais apparemment c'est pas le cas. Il va falloir revoir ça pour qu'elle soit un peu plus orientée vers le haut. Je repère les environs est de Soissons, trouver le village qui m'intéresse et adapter la trajectoire le mieux possible. J'active également la fréquence de Compiègne, car Beauvais Info avait signalé tout à l'heure qu'il y a également du planeur dans le secteur de Compiègne. Cette fréquence est mise en mode monitoring, MON, donc ça permet d'écouter la fréquence principale et celle-ci en secondaire. Repérage de la position par rapport aux étangs qui sont à l'ouest de Soissons. passant au nord de Pierrefonds, mais il est trop loin pour être visible à la GoPro. On cherche la clairière de Rotonde qui est quelque part sur nos avants et un étang assez caractéristique qui désigne le point au-delà duquel il ne faut pas aller, sinon c'est qu'on l'aura passé. Donc on cherche juste sur les avants de cet étang là, de forme assez rectangulaire, pour trouver, enfin tout au moins essayer de voir la clairière. Crochet au nord et crochet au sud effectué, on se retrouve dans les abords immédiats de Compiègne, à environ 2 nautiques nord. L'info signale la présence d'un appareil à environ 2 nautiques à notre sud, donc là sur notre gauche. Il n'a pas d'identification plus précise. Donc on cherche et on va le trouver. Jean-Luc qui va le trouver. C'est à partir d'ici que commence vraiment la navigation de ce vol. Jusque-là, c'était plutôt connu et assez facile, on va dire. Maintenant, on rentre dans une zone que je ne connais pas du tout. Et donc, le but est de repérer au sol ce que j'ai vu en préparation, en faisant attention notamment à quelques villes jaunes, donc à survoler à 1700 pieds minimum. Et ensuite, à partir du point tournant suivant, au niveau de la grande autoroute, il s'agira d'infléchir un peu la trajectoire pour filer vers le nord de Sanlis et de là assez rapidement se retrouver sur Chantilly. Là j'indique que la trajectoire montrée par les instruments n'est plus du tout à suivre parce qu'elle fait une ligne droite entre LFAD et LFPP, c'est-à-dire Compiègne et Le Plessis. Donc si on suit cette route, on va passer complètement à côté des points intéressants à voir. Donc c'est bien là que commence le vol VFR. cherche un repère que j'avais identifié sur la vue aérienne du géoportail, à savoir une grande clairière, et je m'attendais à la trouver en passant justement au-dessus du point tournant, ou plus ou moins, et là j'ai de gros doutes sur la trajectoire, j'arrive pas trop à me déterminer en termes de route, et je m'oriente un peu plus vers la droite. Très rapidement je trouve ce que je cherchais sur la droite. Il n'y a plus qu'à suivre cet axe et aller tout droit sur Sanlis. présent, il suffit de faire une route plein est sur 5-6 nautiques pour nous retrouver au nord du Plessis LFPP. Un point intéressant, quand on était en trajectoire sur le parc Astérix, le SIV a signalé que si on continuait tout droit, on allait emplafonner la zone de Paris. Particulier sur cette branche entre le Plessis et le nord de Meaux. Je propose de voir une longue séquence de plusieurs minutes en 3 caméras, droite, gauche et centrale. Meaux est à droite, il ne reste plus qu'à rejoindre l'autoroute A4 et filer tout droit vers Lognes, tranquillement, sans difficulté. Delta Fox, parce que je me garde. L'anticole, ça, là, et là, et voilà. Yop, yop. Une 37. Bon, bah c'est bien. Bon, ça t'a plu alors? Ouais, très bien. Ouais, sympa. Hein ouais. C'était mieux à 2000 qu'à 1005, mais ouais. Ouais, tout à fait. Mais sinon, ouais, non, aucun problème. Puis une belle météo en plus. Et puis, ouais, finalement, un bon visuel, c'était pas mal. Tout à fait. Et 2 jours, j'aurais pas forcément donné ça, tu vois. Ah non. Enfin, cela étant dit, depuis hier, on voyait que le modèle, il donnait de la fragmentation et tout sur le secteur ou de vol. Ouais. Donc ça, c'était prometteur. Et regarde, là, c'est plus chargé que tout à l'heure. Bon, eh ben, on se dit très bien. À dans un mois. Donc le 28, tu as dit. 26 mai. Le 26, pardon. Ouais, 28, c'est un mardi, je crois. Ok. Allez, bye bye à tout le monde. À bientôt. Que ça vous a plu, hein. Il y a intérêt, est-ce que ça leur plaît? Ah bah il y a intérêt, sinon tu vois, fini. Bah sinon, on met plus en ligne. Sinon, il n'y a plus de vidéo. On met plus en ligne. Non, non, c'est comme ça. On se la garde pour nous. Voilà. On se la garde pour nous. Hein? Non mais... Toi aussi, tu joues au PMB? Hein? Allez, ciao, ciao.